Ouais, l'équipe. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je sais que parmi nous, il y en a plein qui vivent encore chez maman, papa. Ne vous inquiétez pas, je vous vois. Mais en vrai, vous savez, vous avez... Vous avez raison, les gars. Parce que la vie, c'est dur. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Tu connais, on n'est plus dans le cocon familial. Mec indépendant, tu connais. Oui. Oui, allô, Max ? Coucou, mon fils, oui. Ça va ? Oui, j'espère que t'as mis l'eau à bouillir avant de mettre les pâtes dedans. Bien sûr que j'ai fait bouillir de l'eau avant de mettre les pâtes. Et est-ce que t'as enlevé le steak du papier avant de le mettre à cuire ? Donc, je disais indépendant, bien sûr indépendant, tu connais, tiens. La vie d'adulte, les responsabilités, la grande aventure, quoi. Et puis, le jour de tes 20 ans, te rappelles quand t'étais petit, les gens te disaient 20 ans, c'est la meilleure année de ta vie. La fac, c'est génial. Et puis, les soirées, oh là là. Filles, les filles, t'en auras plein, oh là là. Bon, déjà, je pose le cadre. 20 ans, c'est la meilleure année de ta vie. Entre la facture, le taf, les amis, la fac, le foot, la play, les copines, la famille, la fac, c'est génial. Mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Déjà, pour commencer, à la fac, le jour où Gig ouvre, c'est la guerre, mon pote. Ça tire à balles réelles, c'est la guerre. Tous les étudiants se battent pour avoir un emploi du temps. Ou dès le jeudi, son week-end, c'est la guerre. C'est pas tout. La scolarité. La scolarité, les gars, mais... nos commandes. Les amphis, les gars, les cours en amphi, c'est le sga. À tout moment, t'as un mec, il veut se faire livrer un tacos, tu sais pas d'où il sort. Les gens en amphi, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. En plus, on passe plus de temps sur Netflix qu'à écouter le cours. Et puis, on a tous au moins un prof à la fac qui se prend pour Rocky, tu sais pas pourquoi. Il te casse les couilles pour avoir le silence dans un amphi de 1200 personnes alors que la plupart des étudiants viennent en cours pour la bourse. Et là, les gars, c'est assez abusé, là, c'est... non. Et puis, les soirées, oh là là. Quelle soirée, même, hein? Déjà, même, avant de penser aux soirées, quel argent, même? Avant de penser quel argent, avec qui tu vas aller en soirée, hein? Parce qu'on les voit, tous ces collègues-là, quand tu sors et qui te disent « Frérot, tu peux pas me dépanner, s'il te plaît ?» Mais non, quelle dépanne? Quelle dépanne encore? Tu veux que je te dépanne quoi encore? Tous les soirs, tu sors avec 10 balles et le jour, t'es là, tu t'achètes des baskets. Soin, frais, tu t'achètes des AirPods, s'il te plaît. Des AirPods, même moi, j'en ai pas. J'ai encore le fil, là, le casque qui s'en mêle tous les 2 heures et je suis obligé de démêler. Donc non, y a pas moyen de dépanner. Filles, les filles, t'en auras plein. Oh là là. Ben oui, bien sûr, parlons des meufs. Enfin, attention, de la relation entre deux individus consentants, bien évidemment. Maintenant, c'est mort, hein. On ne peut plus s'approcher d'une personne comme ça. C'est fini, hein. Avant même de tenter une approche, il faut faire ses preuves. Tu regardes un peu comment ça se passe. T'es là, tu vas voir d'autres meufs ou d'autres mecs, que tu fais le charo, c'est mort. Par contre, si la fille elle est là, elle voit que tu fais rien, que t'es dans ton coin et tout, c'est mort aussi. Et puis de nos jours, la chat ça suffit plus. Ça suffit plus de savoir juste tchatcher. Faut les faire rire, il faut les faire pleurer, il faut les faire danser. Faut arrêter d'envoyer du rêve. Maintenant il faut envoyer de la réalité et un peu de rêve en même temps. Et surtout, faut surtout pas aller draguer avec ton pote 10 balles. Que le pote 10 balles, il a un truc, tu sais, il a la manière de parler qui attire les gens, qui attire. Ils ont un truc qui est trop attirant, tu vois, ils ont une aura. Mais je sais pas pourquoi les gens aiment trop ça. Du coup, ils vont plus s'intéresser à 10 balles qu'à toi. Ils te volent tous les plans que t'avais prévus dans ta tête. Donc n'allez surtout pas avec votre pote 10 balles. Bon, en vrai, je fais le mariage, je fais le beau, mais je suis en couple. J'ai une copine. Moi, je drague plus, tout ça, tu vois, c'est sérieux, ça. C'est sérieux, bien oui. Hein, comment? Oui, ben oui, je vis avec et tout. Donc ouais, voilà. Tu sais, on est dans le game maintenant, c'est comme ça. Et puis franchement, moi, j'ai de la chance, on kiffe. On se rend pas la tête, on vit. T'as pas fait à manger? Mais t'es sérieux? Non. T'es sérieux? Non, mais. Non. T'es non, sérieux? Ah, mais. J'ai pas eu le temps. Non, mais t'es sérieux? J'ai pas le temps. Allez, mais bouge, j'ai la dalle! S'il te plaît. Vas-y, bouge, j'ai faim!
Eh non, mais en vrai, c'est moi qui porte la culotte dans le coup. Mais quelle culotte même? C'est quoi cette expression, sérieux? Qui a inventé cette expression? Normalement, il n'y a pas de culotte dans un couple. Normalement, on fait tout ensemble, on partage tout ensemble. Et puis si un fait un truc un jour, et ben le lendemain, c'est à l'autre. Et puis c'est comme ça, on regarde pas, c'est pas regardant. Ensemble, on porte la culotte, on fait les choses ensemble. A few moments later. Tu peux me passer les pattes, s'il te plaît? Ouais, tiens. Day 2. Passe-moi les pattes, s'il te plaît. 2000 years. Passe-moi les pattes, s'il te plaît. One eternity later. Pattes. Ah, je rigole, mais en vrai de vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Non, mais en vrai, hein. Oui, oui, on partage tout, on partage tout. Mais bon, tout ça pour dire aux petits qui sont derrière moi, même ceux qui sont dans la même situation que moi, ou alors pas du tout, même à toutes les personnes qu'on a tous 20 ans une seule fois, qu'on a tous 30 ans une seule fois, qu'on a tous 40 ans une seule fois. C'est bon, on a compris. Profitez bien de votre vie, l'ami. Profitez de chaque instant. Même si vous mangez une clémentine, et ben profitez de la clémentine. J'ai oublié. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram pour plus d'actualités, plus de contacts avec ton futur YouTuber préféré. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, c'était Yannou. Ciao l'équipe.